Bonsoir à tous et à toutes, ici Shakeler et on se retrouve pour la suite de notre aventure sur The Legend of Zelda Skyward Sword. Comment allez-vous déjà? Moi je vais toujours aussi bien. Donc dans l'épisode précédent on a commencé ce donjon qui est le Galion des Sables, je l'avais oublié de le préciser. Mais vous avez dû le lire donc ça a dû aller. J'ai été un peu occupé dans l'épisode précédent, je m'en excuse d'ailleurs. Mais voilà. Bref, dans cet épisode, on va continuer ce donjon pour tenter de bien avancer, parce que je pense pas qu'on va le terminer. Ce serait un peu hallucinant que je le termine. Donc on va tenter de bien le continuer, en espérant que ça aille bien. On avait obtenu une petite clé dans l'épisode précédent. Donc on va voir quelle porte elle pourrait ouvrir, parce que je n'ai pas trop d'idées là. Alors, ça sert à rien. Sinon, que dire de plus? Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes vidéos. Et je voulais vous en remercier parce que c'est vachement impressionnant. Et voilà, c'était juste histoire de dire, les pouces verts, les commentaires, etc. Augmentent à vue d'œil, c'est hallucinant, surtout les vues. Donc n'oubliez pas, commentez si vous voulez, pouce vert si vous avez aimé, et abonnez-vous pour être au courant de toutes les actualités et tout ça. Il y a quelque chose là où c'est obligé. Ah bah voilà. Donc on m'a appris qu'on pouvait dessiner des rubis et des bombes aussi. Je vais tenter de dessiner un rubis, je sais pas trop comment ça se dessine. Alors... Certainement comme ça, comme ça, comme ça, ça et ça. Ouais. Il était bien fait mon rubis, non? Non? Bon, tant pis. Alors, où je vais là? Non, pas par là. Que dire de plus? Je pense que j'ai déjà tout dit. Alors on continue, on grimpe. En tout cas ce bateau il est immense. Ah bah voilà, ce bateau est immense. Donc je pense que ça ne durera plus d'un épisode hein. C'est obligé, de toute façon c'est les donjons de Zelda. Donc ça dure. Si un donjon de Zelda ne dure pas, c'est pas normal, il y a une erreur quelque part. Wow. Ah ah. Admi boss. C'est quoi ça? Ok. Ya, 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 allez, tombe. Ah, je te martyrise. Waouh, ils trichent. D'accord, ils avancent la limite. Je m'en fous, je vais te faire tomber. Ya. Mince. Mince. C'est qu'il est bon ce petit. Allez. Oh non. Ta. Et ta. Bon. Viens, tombe. Mais tiens! Ah ah, je t'ai pété le bras! Ouh, il te reste plus que le crochet maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? La limite sur avance. Aïe, ya! Hop là! C'est quoi ça? T'as fumé! Non. Et puis tiens! Et puis tiens! T'es mauvais! Et tiens! Et puis tiens! Et puis... Tiens! Pète-toi la gueule! Ah, voilà. Voilà comment démonter ce petit monstre. Je l'ai bien démonté quand même. Donc, qu'est-ce que j'ai obtenu? J'ai obtenu quoi? J'ai obtenu quoi? J'ai obtenu quoi? C'est quoi mon trésor? Mon trésor? Mon trésor? Oui, je m'en fous!
une information au sujet de l'androïde que vous venez d'affronter. Non, c'est vrai. Je m'en fous, moi. Ce qui m'intéresse, c'est son coffre. L'arc. Ah oui. Alors, comment on sert de l'arc? Ouais, des cibles éloignées. Ouais. Mécanisme spéciaux. D'accord. Non, c'est vrai. Moi, je suis sûr que je le fais d'ici. On va voir ça. Wow, ça risque d'être compliqué. D'accord. Ça risquera d'être compliqué. Je vais retenter un coup. N'empêche, je trouve que c'est un peu trop adapté pour les gauchers, l'arc. Normalement, un droitier tire la ficelle avec la main droite. Et là, je suis obligé de le faire à l'inverse. Donc c'est un peu space, mais c'est pas grave. Hop, on retourne sur le pont. Ah ah. Ya. Je me le fais à l'arc. Comment je monte? Ah voilà. Voilà. Wow. Le navire revient dans le présent. Tout le navire. Donc tous les monstres. Oh, mais... Ah mais qu'est-ce qu'il fait? D'accord. Donc je peux plus revenir dans le passé. Les portes se sont fermées. Alors il est où le suivant? Ah non, je croyais que c'était un mécanisme. C'est pas un monstre, ça, là-bas. Et voilà. J'adore l'arc. Alors. C'est incroyable comme avec ça, tout est facile. Allez, zou. Il y avait un monstre qui est tombé, je crois. Ouhou. Et voilà. Ah, il a lâché un objet. Ah non, des flèches. 10 flèches. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas un mécanisme, ça? Ah si, c'en était un. C'est bizarre. Donc l'autre là-haut, ça aurait dû en être un, non? Bon, c'est pas grave, on va fouiller un peu de toute façon. Alors, on va descendre. Je vais retenter mon tir de là-haut. Je sais plus lié le monstre qui a tenté de me tirer dessus, mais bon. Voilà. Alors. Ça, c'est un mécanisme, ça, là-haut. Voilà. Ah, d'accord. Donc, ça, là-bas.
Et voilà. Bon, c'est pas si dur de servir de l'arc, en fait. On n'est pas obligé de bander l'arc avec C et en tirant le nunchuk. Ça permet juste de faire un zoom de sniper, mais bon, j'ai pas tellement besoin, en fait. Enfin, personnellement, je trouve que j'en ai pas besoin. Et j'aime bien l'arc. C'est pas mal. Ça gère. Et quoi là-haut? Voilà, par exemple, là-bas. Hop, il y a un monstre. Voilà. Non, ça, je verrai plus tard. Ah, je l'ai raté. Voilà. Donc ça, ça va me permettre de monter très certainement. Très certainement. On grimpe. Ça faisait longtemps que j'avais pas tellement raté, hein. Faut l'avouer. C'était... Non? Bon, peut-être. Et voilà. Ah, je peux me balancer? Non, je peux pas. Dommage. Voilà. J'ai peur quand même là-dessus. Voilà. Avec le nombre de conneries que je fais. Hop là, on grimpe. Ah, il en reste, hein. Est-ce qu'on peut... Bref. Ouais, c'est cool si je fais ça, mais... Il y a quoi là-bas avant? On va tenter. Voilà. Donc ça, c'est ouvert. Bravo. Mon navire a retrouvé toute sa splendeur, ça fait plaisir. Maintenant, il faudrait que tu libères les membres de mon équipage. Ouais. Ok, fun. Alors, moi, j'ai hâte de tester l'arc sur tous les monstres qui bougent. Voilà. Il est pas très compliqué à servir à l'arc, hein. C'est assez simple d'usage. Oui. Bref. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des flèches? Non, des bombes. On va tenter l'autre côté. J'ai vu le grappin sur la gauche, vous en faites pas. Hop. Alors. Non. Si. Et voilà. Ça me fait trois petites fées. Ça devrait aller. Donc je ne peux pas mourir sauf si je meurs trois fois, quatre fois d'affilée, pardon. Et à chaque fois que je meurs, je reviens avec 6 cœurs. Ah, ça me permet de remonter, ça. Pas seulement. Ça me permet aussi de descendre et un coffre. Et des papillons. Alors, qu'y a-t-il dans ce coffre? Un nouveau réceptacle de cœur, c'est parfait! Boum! Et voilà, donc... On va encore dessiner un rubis, hein. Parce que j'ai pas tellement besoin du reste, en fait. Wouhou! Non, mon rubis vert! Bon, c'est pas grave. Ah, mon rubis rouge, et voilà. On remonte. Je sais
sais même plus ce qu'il y avait dans le coffre. Mince. Ah, un fragment de cœur, qu'est-ce que je suis stupide. Non, voilà. Donc là maintenant on peut descendre. Je vais tenter d'aller voir un truc. C'est sur ce bateau là ici. Il doit y avoir quelque chose. Hop. Et voilà. Salut. Je peux ouvrir ça? Ah ah. Je dois pas. Bref, j'ai remarqué qu'il y avait un petit rebord par contre. J'ai eu peur là sur le coup. On va tenter. Faudrait pas que je retire dans le truc quand même. Ça c'est fermé à clé. Voilà. Je voulais vérifier un truc, c'est tout. Ah, ça c'est bien, bel et bien fermé. Et ça, je peux pas le grimper, donc on va sauter. Hein. Ah là 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 là. Bon, on va réactiver le temps. Voilà. En parlant de temps, 17 minutes. On va lancer le scarabée pour vérifier ce qui se passe à gauche parce que je ne vois pas trop. Ok. Alors ça c'est sympa. Donc bah cette porte est ouverte alors qu'avant elle était fermée. On va passer par ici. Mais en tout cas j'ai vu quelque chose qui m'intéressait. Ah. Ta-ta-ta-ta. Rien ici vraiment. Je croyais qu'en revenant dans le temps ça y aurait quelque chose, mais non. À vue d'œil non. On va aller libérer ses amis. Y a quelqu'un? Non, personne. Ici c'est ouvert. Ouais, il n'y a plus rien. Alors t'es sérieux? Boom, headshot. Alors. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Voilà. Qu'est-ce que tu veux, toi? Maître, regardez en haut. Ah, hein. Ouais, donc ça pourrait être... pour revenir dans le temps à partir d'ici, oui, mais pour le moment c'est que ça m'est... ah ah ah, d'accord, ça m'est très utile. Il y a un coffre, alors on va, voilà. Parce qu'un coffre c'est vital, voilà. Même s'il doit y avoir une bêtise dedans, du genre une plume bleue, mais... ah non, c'est plus intéressant en fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur cette carte? Pas mal. Je regarde pas les autres étages, j'ai pas envie de me... oh, surprendre. À quoi ça sert ça? Pas grave. Et voilà. Donc maintenant que je reviens dans cette époque,
Des flèches, oui. Là-dedans, il y a quoi? La vie. Parfait, la vie, des flèches. Tout ce qu'il me faut. Ah, tiens ici, voilà. Alors. Ça, c'est fermé, ça, c'est fermé. Ah, je me doutais que ça passerait pas. Par contre, j'ai vu comment aller dans cette salle-là, en tout cas. Mais je vais déjà tenter d'aller libérer son équipage qui était par ici, en fait. Donc, on va descendre. Allez, zou! Bref. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Boom! Headshot! Bref, j'adore cet arc, c'est radical. Je vais m'en servir limite plus que mon épée. Gardez-moi ça. Regardez bien. Tourne encore un peu. Encore. Boom! Voilà. Voilà pourquoi je vais m'en servir plus que mon épée. Ça m'enlève tous les coups des stocks, si vous préférez, donc bon. Oh. Salut. Comment un humain comme toi est arrivé jusqu'ici? Tu es venu avec le capitaine pour nous délivrer, ça fait trop plaisir. C'est ce barreau électrique, on peut pas sortir d'ici. La salle des machines se trouve sous cette cellule. D'accord, d'accord. Tu trouveras un couloir qui conduit de notre côté. Mais pour arriver ici en passant par la salle des machines, il faut rétablir le courant. Il y a des générateurs dans ces deux endroits. Ok. On compte sur toi. D'accord, bah comptez sur moi, je m'en vais. Bon, non, je déconne. Par contre, ce sera pour le prochain épisode, si je me trompe pas. On doit déjà être à la limite que je m'impose. Oui, 23 minutes, on l'a dépassé. Donc, voilà, on va s'arrêter là. Dans le prochain épisode, on continue ce donjon. On libère les petits qu'il y a ici. Et on va poutrer le boss et récupérer notre deuxième flamme. Oui, ça doit être bien comme ça. Puis maintenant qu'on a l'arc invincible, non, faut pas abuser, mais ça devrait aller mieux. Donc sur ce, j'espère que vous avez aimé. Bon visionnage à tous et à la prochaine. Portez-vous bien.